Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale. Donc une vidéo pour vous présenter le nouveau mode 20 vs 20. Voilà, donc c'est 5 équipes de 20. Alors je vais vous dire des petites informations assez utiles pour ceux qui sont intéressés par ce mode. Bon, moi je vais pas vous cacher que c'est pas un mode qui m'intéresse énormément, j'ai pas joué beaucoup. Moi je trouve que il est bien, mais sans plus, je préfère faire des squads ou des solos ou des duos, mais pas des 20 vs 20, quoi, voilà. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que dans le mode temporaire équipe de 20, chaque équipe est composée de 5 sections de 4 joueurs. Donc, ce qui équivaut 5 sections de 20 joueurs. Alors, tous les équipiers sont indiqués sur la carte en vert. Donc, comme vous pouvez le voir dans l'extrait, en haut à droite, on voit carrément les pointeurs des personnes, de toutes les personnes, plus les vôtres, ceux de votre squad. Et on voit tous les joueurs qui sont dans votre team en vert. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, moi, ce que je vous conseille là-dessus, c'est toujours d'aller vers tous les points. De rester vraiment en team. C'est 20 contre 20. Donc, c'est 5 fois 20. Donc, essayez vraiment de rester en team. Parce que la team qui gagnera, ce sera la team qui sera la plus soudée. Alors, la carte indique désormais le nombre de joueurs en vie dans chaque section. Donc regardez, quand vous appuyez sur le pad, maintenant vous avez à droite le nombre d'équipes qui restent. Donc il y a notre équipe 20 et 4 autres équipes. Et on voit combien de joueurs il reste dans les autres équipes. Donc ce qui peut vous donner un peu un aperçu général des ennemis qui restent à tuer et à éliminer et des ennemis qui sont potentiellement dans la zone. Je trouve cette nouvelle option vraiment super bien et j'espère qu'ils le rajouteront en duo, en solo, en section. En solo ça sert à rien, mais en duo et en section pour nous dire combien de teams, de sections il nous reste. Parce que par exemple en section on voit qu'il reste 10 joueurs en ligne, mais en vie, mais on ne sait pas si c'est 10 sneaky ou si c'est 10 duos ou si c'est... Enfin voilà, vous voyez, on ne sait pas vraiment distinguer combien d'ennemis en face on a en par rapport au groupe, quoi. Ce serait bien qu'on puisse le faire. Alors il faut savoir aussi que les chances d'apparition de coffres ont été augmentées dans le mode 5x20. Donc ils ont été augmentés de 50 à 80%, donc presque le double. Et pareil pour les boîtes de munitions, ils ont été augmentés donc de 65% à 90%. Donc là, c'est quasi le double de boîtes de munitions qui apparaîtront pendant ce mode de jeu. En même temps, c'est normal, j'aurais même fait 4 fois plus moi. Mais après, ça aurait peut-être niqué, il y aurait peut-être trop de loot. Mais voilà, vaut mieux mettre plus de loot parce qu'on est beaucoup plus. Et quand comme on va tous dans une seule ville, comme il faut rester soudé, et bien le problème, c'est que les maisons, elles se font loot en 2 secondes. Quoi. C'est vraiment hallucinant, franchement. Alors, essayez aussi de ne pas faire les crevards. Hein. Quand vous voyez quelqu'un, il a la pioche, vous avez une arme en trop, essayez de lui donner. Même s'il n'est pas dans votre squad, c'est vraiment... il faut essayer de partager pour justement gagner la victoire. Alors, les ravitaillements apparaissent par lot de 5. Donc, il n'y a pas un ravitaillement, c'est 5 ravitaillements directement. Un par équipe de 20, normalement. Donc, dès que vous voyez un ravitaillement... essayez d'y aller, mais si vous voyez que vous êtes le seul à y aller, laissez tomber. Parce que si l'autre team elle arrive avec 15 joueurs en face de vous, là vous êtes baisé. Vous allez prendre le loot et puis ils vont tout simplement vous finir. Donc essayez d'y aller en squad, hein. C'est toujours mieux. Alors un autre truc aussi, c'est que maintenant il n'y a pas 9 cercles, il y a 6 cercles de tempête. Donc c'est pour minimiser le temps de la partie. Donc normalement, ce sera entre 23 et 25 minutes maximum la partie. Donc ça fait des petites parties d'une demi-heure, c'est pas mal. Alors le cercle 1, c'est un emplacement aléatoire qui prendra 60 secondes à se déclencher et 180 secondes à se rétrécir. Le cercle 2, un emplacement aléatoire encore, ce sera de 60 à 90 secondes de rétrécissement. Donc 60 secondes d'attente et 90 secondes de rétrécissement. Le cercle numéro 3, par contre, sera centré par rapport au cercle numéro 2. Donc, ce qui veut dire par là, en fait, ça veut dire que, en fait, ils veulent faire en sorte que les 5 équipes, s'il reste 5 équipes de 20, par exemple, personne ne s'est tué, ils vont mettre un cercle au milieu pour exactement faire en sorte qu'on se croise, qu'on se réunisse à chaque fois. À chaque fois, ce sera comme ça. Alors, jusqu'à la fin de la partie, donc, ce sera le cercle 4, le cercle 5 et le cercle 6 seront toujours centrés pour
faire en sorte qu'on s'affronte le plus vite possible. Alors les prochaines zones, donc le cercle 3 mettra 120 secondes à se déclencher et 90 secondes à se rétrécir. Le cercle 2, le cercle 4, 5, 6, ce sera entre 120 secondes et la dernière cercle 6, ce sera 240 secondes avant de se déclencher pour se rétrécir. Et ça ira de 60 secondes pour le cercle 4 jusqu'à 120 secondes de rétrécissement, de rapidité de rétrécissement pour le cercle 6. Donc ils ont augmenté la rapidité du rétrécissement tout simplement pour nous forcer à aller au contact directement. Alors une chose très importante à savoir aussi, c'est que maintenant quand on fait des modes temporaires genre en mode or, eh ben c'est comptabilisé dans vos top 1 sections. Par contre, en 5x20, là rien n'est comptabilisé tout simplement parce que c'est pas un duo, c'est pas un solo, c'est pas une section. Donc voilà, ce ne sera pas comptabilisé, il fallait que je vous le dise. Donc voilà, c'est tout pour les informations utiles à savoir pour le mode 5x20. Alors là, je vais parler personnellement, regardez le gameplay. J'ai su avoir 2 kills en distance, tout simplement parce que j'ai écouté que mes collègues, les autres de ma team, de ma squad de 20, ils tiraient de ce côté-là. J'ai direct été les soutenir. Il faut vraiment aller soutenir vos collègues. Alors bien sûr, priorité à la squad, hein, comme vous êtes 4, essayez de vous réanimer entre vous. C'est ce que je vais faire pour Audrey. Mais là, j'avais pas capté qu'elle était morte. Alors, vous voyez, j'essaye vraiment de... J'avais rien comme l'autre, vous pouvez voir, j'avais rien comme l'autre. J'avais même plus de munitions d'AR, j'en avais plus qu'une rafale, là. Donc voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je peux. J'ai fait que 2 kills dans la partie. Franchement, c'était compliqué, c'était vraiment galère. Donc là, je réanime Audrey, mais je crois que je vais pas réussir à la réanimer. Ou je sais plus. Si, je crois que je vais y arriver, mais elle va mourir un peu plus tard. Donc là, je vais avancer parce que j'ai pas grand chose à dire à part essayer de survivre et de suivre vraiment sa squad. Regardez, là, on était plus que 13 dans notre squad. Plus que 12. Franchement, tous nos joueurs, regardez, ils se sont fait défoncer en hors zone. Donc là, on est plus que 7. Audrey, elle est toujours en vie, ok. À un moment, on sera plus que 2. Voilà, là, on est plus que 2 dans la zone. Et on avait plus de vie. Moi et Johnny, on avait plus de vie. Johnny, il avait 1% de vie. Moi, j'en avais 30. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu un largage de ravitaillement arriver. On a vu qu'il n'y avait personne. En même temps, on n'était que 2, mais on a vu qu'il n'y avait personne. Les ennemis, ce qu'ils ont fait, c'est une très bonne idée des ennemis, c'est qu'ils ont marqué les ballons. Parce que tout simplement, ils savent qu'il reste une team de 2 et une team de 1. Et ça, franchement, ça, il faut que je vous le dise. Dans l'autre équipe, il leur restait genre 15 personnes. Et en fait, nous, on va se faire tuer. Donc là, on a eu des bandages, on a eu 10 bandages dans le colis. Donc on s'est dit, à l'aise, on va aller se soigner. Donc moi, je retourne près de Johnny parce qu'il avait pris le bandage. Donc là, il m'en donne. Et là, dans le bush derrière nous, il y a le dernier de l'autre team. Et en fait, ce con, au lieu de tirer sur les gens en face, là, que vous voyez, là, tu vois, en face de, qui saute, là, eh bien, il a tiré sur nous. Mais en réalité, on aurait pu l'aider à niquer les 15 autres, tu vois. Après, on se serait fight entre nous. Mais là, le type, il va rester dans son bush tout le temps. Il y a 16 personnes en face de lui. Enfin non, 15 personnes en face de lui, il le cherche et tout, mais à un moment, il va se faire choper, de toute façon, il va rester dans son petit bush jusqu'à la fin, mais avec son petit chapeau bleu, il s'est fait repérer, le type l'a complètement piégé, il l'a enfermé, il lui a mis des pièges, il s'est fait niquer. Mais il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, c'est que, regardez, les gens là, les ennemis, ils sont en train de construire des constructions et tout ça, même là à droite, et en fait, regardez, il y a quelqu'un, il détruit les constructions, et ça va tuer carrément... Ils vont se tuer entre eux. Donc, si vous êtes tout seul, essayez vraiment de prendre de la hauteur. Essayez de prendre de la hauteur, de bien vous cacher. De mettre des pièges, surtout de la construction. Mais essayez de mettre des portes avec des pièges et tout. Franchement, essayez de vous barricader un maximum pour les piéger. Alors, regardez. Daniel est KO à cause d'une chute. Donc là, ok, il s'est tué tout seul. Mais il y a des moments où carrément vos alliés, il sera noté a tué tel allié. Mais encore heureux, ils se font réanimer. Mais voilà, franchement, n'essayez pas de tirer dans les constructions des autres parce que ça sert à rien. Regardez. Things Fast Ninja a mis KO Serenity. Normalement, on ne peut pas se mettre KO entre nous. Mais maintenant qu'il y a la nouvelle petite nouveauté qu'ils ont rajoutée, que maintenant, quand on élimine quelqu'un qui est en hauteur en détruisant sa construction, le kill est comptabilisé pour soi-même. Et là, voilà.
Ils se sont niqués entre eux. Bon, après, ils se sont fait réanimer, c'est sûr, parce qu'il y a toujours les 15 personnes en face. Mais voilà, essayez de ne pas faire... De pas faire des coups de chemette à vos potes, hein, parce que même si vous êtes 15 et qu'il y a un Gotaga en face, bah, il va tous vous la mettre bien profond. MDR, non, je rigole. Mais regardez, là, on va avancer un petit peu et vous allez voir, le type, il va se faire défoncer de ouf. Attendez, c'est bientôt. Voilà, c'est ici. Donc regardez, le type, il va faire genre qu'il le voit pas. Regardez, là, il fait genre qu'il le voit pas, ouais, tranquille. Et là, boum, il tombe dessus, il l'enferme et il met plein de pièges. Regardez, il saute. Ah ouais, même, ouais, il avait même mis une rampe pour bien l'enfermer en bas. Ça, c'est vraiment épique. Franchement, très stylé de sa part. Et là, ben voilà, ben, il va se faire défoncer par les pics. Pendant que l'autre, il va danser, il va sauter de sa gueule. Donc voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo ben, vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace. Yummy, bruh.